à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de 360 minutes pour survivre avec plein de nouveautés aujourd'hui. On accueille Reldric, Reldric remplaçant de Terry, à qui on ne dit pas coucou. Et puis... et puis aussi, pour cette nouvelle émission et nouvelle édition, un nouveau format. On a décidé de tout garder cette fois-ci, de garder tous les feuilles et tous les... Oui, tout. Toutes les sautes d'humeur, tout. Mais ça va être, c'est ça. Et, mais ça va être diffusé en plusieurs émissions, voilà. Donc fini le dérochage, tu vas pouvoir respirer. Hein. Et du coup maintenant, vous allez avoir plusieurs épisodes sur un seul jeu. Mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir plein d'autres surprises. Bon, messieurs les assistants, ça va aujourd'hui ? Ça va. Ouais. J'espère que vous m'avez préparé un bon petit jeu. Mais, écoute, c'est vrai. Tu veux le découvrir tout seul. Alors attention, je. C'est tard, je vois déjà quelle console c'est. Ah là là! Mais Street of Rage, mais ça se joue à deux, ça? Street of Rage. Eh oui, ça se joue à deux. Est-ce que ça voudrait dire que vous allez participer avec moi aujourd'hui? Oui, c'est une émission en coop. Eh bien, bah écoutez, aujourd'hui, on joue donc à Street of Rage sur Mega Drive, le 1. Salutations, les amis. Mais je suis une fille maintenant! Sorti en 91 et développé par Sega AM7 et les membres de la team Shinobi, Street of Rage ou Bark Knuckle Hikari no Tekken est encore à ce jour une référence des beat'em all à l'instar de la série des Final Fight, son concurrent direct sur Super Nintendo. Fort de son succès, Street of Rage donnera lieu à deux suites. Et bah c'est parti alors, allons-y. Et bien voilà, alors donc c'est parti pour se faire Street of Rage, j'espère en moins de 6 heures. Mais cette fois, bon, émission spéciale puisque c'est en coop avec tous les assistants. Et bien là, je pense que je vais appeler le premier assistant, celui qu'on n'a pas vu, le nouveau, le tout nouveau, Reldric. Ouais. Reldric, le tout nouveau, tu vois, tu as la chance, tu es baptisé. Là, c'est bon, là, tu vas commencer ta première partie de Street of Rage. Street of Rage. Peut-être. Est-ce que c'est un lapsus ? C'est ça. Bon, est-ce que tu connais le jeu ? Oui. Ouais ? Allez, bah, c'est parti, alors. Est-ce qu'il y a option ? Ouais. Est-ce qu'il faut mettre... Je crois que c'est en normal. C'est en normal, déjà. Donc, ouais, non, c'est bon. On garde normal. Allez, c'est parti. Donc Reldric, tu viens d'être baptisé comme un roi, Reldric le nouveau. C'est ça, Reldric c'est ça. Le nouveau. Quel part... Alors, il y a Adam, Axel, mais ouais. Blaze. Oh, Blaze. C'est qu'elle a un bon prénom, elle. Hein. Ace of Blaze ? Non, c'est le deuxième chanteur d'Iron Maiden, Blaze. Blaze Bailey. C'est vrai. Je ne sais pas, il n'y a qu'un seul chanteur de Maiden. Bruce Dickinson ? D'accord, ok. C'est surtout Blaise. Que tout le monde a oublié le premier allez, chanteur, Paul Diano. Axel Bauer. C'est parti, Axel. Est-ce que tu connais un pardon, peu le... excusez-moi. Il est. Ouais, c'est bon. Ah bah c'est bon. Est-ce que tu connais un peu l'histoire du jeu ? Plus ou moins, ouais, c'est... Ouais. Et il doit l'arrêter, même si c'est une de la vie. Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. Vous pourrez être surprise, alors, j'ai l'impression. C'est pas tout à fait ça. En fait... Pardon. Les trois héros donc de ce jeu sont effectivement des policiers avant le début du jeu. Ouais. Et ils proposent, donc, dans cette ville qui s'appelle... je sais plus... Je crois qu'elle a pas de nom d'ailleurs. Mais en fait, il y a le. City. Hein ? On va dire Metro City. On va dire Metro City, voilà. Est-ce que c'est pas la ville d'une licence ? Oh ! Bien joué, Fred. Ah bah, d'accord. D'habitude, on garde les super attaques pour le boss de fin. Sans faire gaffe sur l'attaque spéciale. Voilà, bon, bah déjà, donc tu viens de perdre un spécial. C'est les boutons de la Mega Drive qui sont trop rapprochés. Oui. Ouais, ça doit être ça. Donc en fait. Ouais, c'est la faute de la manette. Voilà, c'est la faute de la manette. Cette ville est passée sous le contrôle d'un syndicat du crime qui est dirigé par un homme qui a gardé l'anonymat. Il s'appelle Mister X. Roger. On l'appellera Jean-Do. Intelligemment appelé Mister X. Donc, et depuis que ce syndicat du crime contrôle la ville, bien sûr, c'est le bazar dans les rues, comme vous pouvez le constater. Bah justement, j'allais rebondir là-dessus. Je sais pas si vous remarquez, mais dans Street of Rage, bon, je connais un peu la licence quand même de Street of Rage, mais ce qui est marrant, c'est que c'est hyper coloré, les villes sont super propres, mais il n'y a personne. Il n'y a que des méchants qui viennent pour alors, défoncer. Alors, il faut savoir que tous les stages de ce jeu se passent de nuit. D'accord, donc le jeu se passe entièrement de nuit. Voilà. Donc après Pizorno. Prends-le. Les éboueurs sont déjà passés et c'est propre. Voilà, c'est pour ça que la ville est propre. Ah, bah un peu d'imagination. Bravo. On peut être voyou et propre à la fois. Oui, voilà. Pour toi, c'est beaucoup plus classe. T'as une Gatling. Je me demande comment ce policier fait pour la sortir. Par la fenêtre. Par la fenêtre, oui, mais c'est dur quand même.
Et donc, je continue l'histoire. En fait, les trois héros donc, ont demandé à leur supérieur de s'occuper de ce syndicat du crime. Ouais. Mais ça a été refusé, soit parce que les supérieurs avaient peur de représailles, soit parce qu'ils étaient déjà corrompus, en fait. D'accord. Donc, les trois... On évolue dans un monde corrompu. Voilà, la ville est complètement corrompue. C'est un peu Gotham City, tu vois. D'accord. Et donc, les trois héros ont décidé simplement de quitter la police. Ils ont démissionné. Ils ne sont plus... Au moment où tu débutes le jeu, ils ne sont plus policiers. D'accord. Voilà. Okay. Et ils se démerdent avec leurs poings. Parce et leurs bouteilles. Sont... Et leurs bouteilles et tout ce qu'ils peuvent ramasser. Parce que ce sont tous des experts en arts martiaux. Voilà. Ah, tu peux nous en dire plus, justement, sur eux? Parce qu'on a zappé la scène intro, mais... Alors, Blaze fait du macramé. Alors. Oui, Fred, chacun sa spécialité. Adam aime le bonsaï et fait de la boxe. Bah oui, Axel aime les jeux vidéo et les arts martiaux. Et Blaze, c'est la lambada et elle fait du judo. Axel. Ben, c'est, tu vois, elle fait du judo d'arrosage. Je peux frapper, voilà, moi. Ah, je peux te frapper aussi. Voilà, oh là, pouvez, regardez, pouvez... le Shiryu. Oui, c'est il ressemble à Shiryu. Oui, mais il a pas encore récupéré son arme. Et Axel fait des arts martiaux sans précision, c'est pas précisé dans le jeu, quel genre d'arts martiaux je il fait. Je fais des arts martiaux sans précision. c'est des à peu je près arts martiaux. Martiaux. À peu près. Et, non mais ça veut dire que quand il met un coup de pied, il le met à 2 mètres de la personne qui l'est frappé. Voilà. Et donc Adam... C'est-à-dire qu'Axel ne vise pas les gens. Adam que vous n'avez pas choisi, probablement à cause de son t-shirt jaune qui n'est vraiment pas très mais funky, attendez, fait de la boxe. Je viens d'en remarquer, mais en fait, alors, je parlais de Blaise Bellet tout à l'heure, là, mais Axel, il a aussi le nom d'un chanteur de groupe célèbre. Oui, de... Axel oui. Bauer. C'est pas totalement lui que je Axel pense. Axel Rose, peut-être. Peut-être, oui. Et Adam, tu connais un chanteur qui s'appelle Adam? Non. Vite, cherchez Will Miller. Chanteur, mais peut-être que vous en connaissez vous, non, je connais pas de chanteur qui s'appelle Adam. Il y a un vainqueur c'est de Brian la... Adam. Il y a un vainqueur de la nouvelle star en Angleterre qui se prénomme Adam. Non, mais il était pas... Oui, Adam Levin. Ah, par contre, c'est... Enfin, je me disais, il allait prendre un tuyau dans la bouche. Pourquoi les filles dans les Beats and Balls ont tous, j'ai tous l'impression qu'elles sortent d'un donjon SM. Elles ont toutes un fouet. Bah écoute, rentre dans le garage et tu vas voir si c'est un donjon. Ça, tu aurais pu demander lors du dernier TGS. C'est vrai. C'est... Mais non, même... non, c'est faux, puisque dans les Double Dragons, c'est la seule qui sent qu'il n'y a pas d'ennemis féminins. Tu rigoles? Et dans Double Dragon... Eh ben, bien sûr. Dans Double Dragon 2, si t'as les filles, elles sont habillées en rose, là, ou violet, ouais. C'est des punks. C'est des punks, c'est pas des filles. Bah oui, mais c'est des filles. Bah, c'est avec des seins. Punk. Ouh, attends, il y a des combos à faire, là, j'ai l'impression. Bah oui, quand même. Oui, ils ont chacun une shop où ils te mettent les deux coups. Tu peux les lancer d'un côté... Oula, la musique change. Ah, ça sent le boss. Ouf. Mais pourquoi ils font 14 mètres de plus que... T'as vu à qui ils ressemblent ces boss? Au kangourou. Ils ont été nourris au bœuf aux hormones. Ils ressemblent à Grand Corps Malade. Quel rapport? Je sais pas. La Reldric il s'excite sur un côté là. Laisse-les venir. Mais il a un tuyau, c'est normal, il veut leur faire mal. Ah non, c'est toi qui as le tuyau. Ah bah y'en a un qui est mort. Rappelons que Fred et Blaise, la fille, et Reldric... C'est thérapie. Attendez. Premier stage? Ouais. Bravo. Bien joué les gars. Premier stage fini. Alors, c'est deux stages, ça évitera. On va dire que tu vas faire deux stages avec moi. Chaque assistant fera deux stages en tentant d'arriver jusqu'à la fin, bien entendu, en moins de 6 heures. Évidemment. Comme le veut le concept de l'émission. Donc nous sommes au stage 2. Stage 2 qui se trouve dans la ville. Il y a du vent. Et pas de très nuit. Propre. Il y a des pas très propre, là. Cette fois, effectivement, là, on est moins dans Carrefour Mayol. Là. C'est sûr, on n'est pas aux Galeries Lafayette. Vas-y, casse les tonneaux. Alors faut savoir que les musiques de ce jeu étaient vraiment très très bien inspirées. Je t'ai fait une reprise de volée là. C'est Yuzo Koshiro de mémoire qui compose les musiques. C'est ça. Oui, Hob, c'est bien Yuzo Koshiro qui a également composé les musiques de Shenmue et Act Treasure. Tu peux faire éternuer les gens, regarde. Achoum. Bon, il les a tués avant, mais c'est pas grave. Oui, parce qu'au Japon, dans les années 80, ils n'avaient pas de lacrymo, c'était la crise. C'était des poivrières. Des bombes à poivre. Des bombes à poivre. C'est des bombes à poivre. Nous sommes en train de donner une astuce, les enfants, si vous avez du poivre chez vous, vous pouvez faire des bombes au poivre. Le German Souplex, c'est pas mal. Oui, ça marche même. Pas avec la moutarde. Oh, ah, c'est bravo. C'est toi ou c'est moi? Non, c'est toi. Oh non. Alors tiens, pour info... On va jamais utiliser de bombes sur des boss, hein. Pour info, donc le flic là qui sort de la voiture pour l'attaque spéciale, et la voiture de police d'ailleurs, sont tirés d'un autre jeu de la team Shinobi, donc qui a fait Street of Rage, et qui s'appelle E-SWAT. Jeu s'appelle E-SWAT et ils ont récupéré donc leur véhicule et leur policier pour faire la Et c'est aussi le policier qui serre la main d'Axel dans la bonne fin du jeu. Tu dois arrêter des gens Je sais pas, je t'avoue que je ne le connais pas.
On remarquera. Alors ça, c'est une vie par terre. On remarquera qu'il n'y a qu'un seul poster dans la rue. C'est toujours le c'est même. Ça. C'est un peu comme chez nous, Choupi fait son spectacle. Argol, je crois qu'on t'a perdu. Ah, on a gagné une vie. Non, non. Reldric a gagné deux, une les vie. Deux, les deux, les deux. Ah bon. Ah, mais c'est pas... Alors, ah, vous aviez, il y avait deux vies en fait. Pour les fans de la saga, il faut savoir qu'il y a un jeu qui est sorti sur PC, un fan-made en fait, ouais. Une sorte de Street of Rage 4, oui. qui est juste excellent et qui est en téléchargement gratuit. D'accord. Oui, et qui a été interdit par Sega. C'est vrai ? Oui. C'est dommage. Et moi je l'ai, dommage. Donc je pourrais le passer. Et je l'ai aussi. C'est dommage parce que contrairement à Capcom qui eux aiment beaucoup quand les fans font des jeux tirés de leur licence et qui les aident d'ailleurs, pardon, excuse-moi. Et j'ai voulu te faire un shampoing. Est-ce que vous avez remarqué quand même que dans cette ville, la population est beaucoup roux. Tiens, regarde, beaucoup de roux. Viens. Parce que c'est en Irlande. Non. Ah, c'est en Irlande, c'est pour non. ça. Par je crois contre, pas. Il faut savoir, je pense qu'on pourrait expliquer le manque de population par le règne du crime et donc il doit avoir une sorte de couvre-feu. Bien et, sûr. Oui, parce que s'il dit que justement ça se passe, de nuit. De nuit, effectivement. Par contre, Shiryu, il n'y a rien à voir. Non, lui, c'est un ninja. C'est que des punks et il y a un gars, il arrive. Mais en fait, peut-être avec toi. Hein, c'est peut-être un ami. En fait, il te voulait peut-être pas de mal et toi tu viens de lui mettre un gros coup de tube en acier. Écoute, s'il y a un couvre-feu, d'accord, ceux qui sont dehors sont mes ennemis, sauf moi, d'accord. Fais gaffe parce que le mec en blond c'est ton ami quand même. Je vais essayer de pas le défoncer. Ah, t'as un clown là, regarde. Enfin, un jongleur. Ça me fait penser à un autre beat'em all, le Batman Return sur Super NES. Oui, c'est vrai. C'est une drôle de façon de tenir ton couteau quand même. Par contre, le prochain jeu que tu feras c'est Batman Forever. J'ai peur. Vous avez remarqué, je l'avais pas dit. Donc là, c'est bon. C'est bon, tu l'as dit. T'as ton quota. Après, tu dois dire j'ai peu peur. J'ai peu peur. C'est quand même un peu de la discrimination, non, de frapper les roues comme ça. Ah, je croyais te frapper Batman. Non, Batman, c'est normal. Il est là pour ça, Batman. Ah, il est pas mort. Il est pas mort et en plus, il fait des coupées arrière, tiens. C'est bon, je te sauve. Tiens, Redrick, t'as encore gagné une vie. Ah ouais, il a 5 vies. Hein. Ouais, c'est parce que t'as atteint 50 000 points et après... T'as atteint le 8ème sens. À 150 000, 250 000, tu par gagnes contre, des vies à chaque là fois. Là où je suis un peu dégoûté, c'est que je les trouve un peu lents. Donc Fred, tu vas gagner une vie dans pas longtemps parce que t'es à 49 000. Alors, il y en a qui jonglent avec du feu, l'autre avec des haches. C'est un fan d'Evil Dead. C'est ça. Ouh, ça galère là un peu sur le... C'est... Ah. En plus, c'est même pas des boss, hein. Alors, il faut savoir que vous avez vu qu'il y a un chrono quand même, hein, pour chaque séquence. Ah oui, mince. Attends, il faut... Oui, donc voilà. Oh, l'attaque spéciale. Oh, l'attaque spéciale. Joli, joli. C'était beau, ça. Et tu as gagné. Tu as gagné ta vie, donc. C'était beau, je trouve que c'était beau. Ah, changement de musique. Déjà ça va vite. Il vous reste 30 secondes pour finir. Ouf. Allez, ah, mais ils sont toujours par deux, d'accord. Ah, mais c'est Sting dans... dans Dune. Dans Dune, ouais. Et ils ont des rasoirs c'est à la place des mains, de là, des griffes. C'est une fusion de Sting et de Freddy Krueger, en fait. En fait, les boss, quand tu es seul, il y en a qu'un. Ouais. Et quand tu joues à deux, il y en a deux. D'accord. Il a pas eu trop mal, lui. Tiens, mange-toi ça. Par contre, comment en tirant avec une minigun d'une voiture à 500 mètres, ça peut... ne toucher... Et, ça peut et surtout, pareil, ça peut ne toucher que les ennemis. À la crise au Japon, dans les par contre, ils font très très mal. Il y avait peu de poudre dans les balles. Donc... Ce qui est marrant, c'est de voir des boss surdimensionnés par rapport au perso du jeu. Et pour Fred aussi. Bon, ça fait rien, on venait d'en gagner. Mais il a fait très mal, lui. Allez, je te... Ah bah ça y est, je pense que c'est bon. De mémoire, le méchant, le roux, là, je crois que s'appelle Galzia. Alors, ouais, ça il faudra en parler aussi, c'est-à-dire que dans la version japonaise, je crois qu'il y a leurs noms qui sont écrits, à vérifier, hein. En tout cas dans le 2 et dans le 3. Attendez, oui. Attendez, parce que là, quand même... Argol a raison, dans Street of Rage 2 et 3, les noms des ennemis apparaissent. Déjà, vous avez fait un quart du jeu. Donc, bah écoute, je pense qu'on va procéder à un changement, alors. Tout à fait. Remplacement. Adric, merci beaucoup. Merci. Mais de rien, on se revoit bientôt. Oui. Tu manges toujours la raison ce soir. Fred vient d'enchaîner deux stages avec une certaine aisance, mais arrivera-t-il à terminer le jeu avec autant de facilité? Les réponses à vos questions dans les prochaines émissions de 360 minutes pour survivre. Hey to the pad, les amis! Mega Drive de Sega. Une machine infernale. Son stéréo. 512 couleurs. Et microprocesseur 16 bits. Mega Drive de Sega. 16 bits, c'est plus fort que toi. Mega plus fort.